Ce qui est passionnant de travailler au Centre de recherche de Saint-Hyacinthe, c'est qu'on contribue vraiment à développer des solutions d'un point de vue concret qui permettent de rendre le monde meilleur. Le Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe, c'est le seul centre de recherche au sein d'Agriculture et Agroalimentaire Canada exclusivement dédié à la recherche en transformation alimentaire. Le Centre de recherche de Saint-Hyacinthe, c'est une centaine d'employés avec un personnel scientifique d'une soixantaine de spécialistes. Nous avons 16 chercheurs scientifiques de très haut niveau, mais également du personnel de soutien technique et professionnel. L'expertise du centre est répartie dans 3 équipes multidisciplinaires. Une première équipe qui est spécialisée sur les attributs et la physicochimie des aliments. Ce sont ces équipes-là qui vont travailler sur les protéines alimentaires, sur la qualité de la viande, pour l'authentification de la qualité des aliments. Une deuxième équipe qui est spécialisée sur la transformation des aliments et la chaîne de valeur. Par exemple, pour caractériser la valeur nutritive des aliments, pour réduire le gaspillage alimentaire, voire même pour améliorer les procédés de transformation des aliments. Enfin, une troisième équipe qui travaille sur la microbiologie et la salubrité des aliments pour réduire, pour limiter le risque de contamination et surtout pour assurer aux consommateurs des aliments sains. Ce qui est important de comprendre, c'est que les pertes et le gaspillage alimentaire se produisent tout au long de la chaîne, donc de la ferme jusqu'à la fourchette, comme on le dit. Donc, nos chercheurs, de deux façons, contribuent à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire. Premièrement, en comprenant la chaîne du foie. Donc ici, les chercheurs au Centre de recherche de Saint-Hyacinthe ont développé un procédé pour simuler la chaîne de froid, le transport, l'entreposage et identifier les bris potentiels dans la chaîne de froid. Le deuxième exemple pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaire, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Donc, beaucoup de procédés vont générer des sous-produits ou des déchets qui peuvent avoir une très grande valeur nutritive. Le Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe, c'est une expertise, mais c'est également des infrastructures. Juste pour vous donner un exemple, la moitié de la superficie du centre est occupée par des usines pilotes de transformation des aliments. Nous avons également plusieurs laboratoires d'analyse. Donc, je pense qu'il faudrait mentionner que le Centre de recherche de Saint-Hyacinthe a la réputation de travailler en collaboration avec plusieurs autres experts au travers du Canada, les autres experts dans les autres centres de recherche d'agriculture agroalimentaire Canada, les partenaires académiques dans les universités ou autres centres de recherche, et les chercheurs du Centre de recherche de Saint-Hyacinthe travaillent également directement avec l'industrie. Le programme industriel du Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe, c'est un incubateur d'entreprises. Le programme offre aux clients industriels une gamme complète d'équipements à la fine pointe de la technologie. Nous leur offrons des équipements, mais nous leur offrons également un accompagnement de la part de nos technologues et de nos chercheurs scientifiques pour mener à bien des travaux de recherche et de développement avec leurs propres produits. En termes de résultats et d'impact, le programme industriel du Centre de Saint-Hyacinthe, depuis son lancement, c'est plus de 1500 entreprises qui ont été accompagnées, qui ont été soutenues. Certains produits que vous allez trouver à l'épicerie, nous en sommes très fiers, ces produits ont été générés avec la collaboration, avec l'expertise du Centre de recherche, en particulier du programme industriel. Donc, le Centre de recherche de Saint-Hyacinthe travaille avec l'industrie et fait des avancées, permet un écosystème d'innovation pour permettre des changements dans l'industrie agroalimentaire, dans la transformation des aliments. Mes plus grandes fiertés, c'est le fait que sur une base journalière, je côtoie, je travaille avec des collègues qui sont très passionnés par les sciences agroalimentaires. Ça fait plaisir de travailler dans cet environnement-là. Et c'est sûr que le Centre de Saint-Hyacinthe, le programme industriel, par exemple, ont une portée internationale.
Ça fait plaisir. Nous sommes fiers d'accueillir de temps en temps des délégations qui viennent d'un peu partout au Canada, voire à l'étranger. Cela démontre de la portée nationale et internationale du programme industriel et du Centre de Saint-Hyacinthe.